Le Benelli Leoncino 800 Trail est un nouveau scramblé d'Italie avec 76 chevaux pour moins de 9000 euros. Contrairement au Leoncino 800 standard, il y a beaucoup de friandises visuelles ici, y compris des jantes à rayons, un échappement surélevé à double tuyau, une plaque d'immatriculation de départ et bien plus encore. Marcus et Dietmar ont vérifié comment roule le 800 Trail. Amusez-vous avec notre rapport de conduite. Les scramblés de cette classe de performance pour moins de 9000 euros sont rares. Benelli rend cela possible parce que les vélos sont fabriqués en Chine. Cependant, le développement et le design viennent toujours de Pesaro, où environ 70 employés de Benelli dans le « Centro Stile Benelli », entre autres, veillent à ce que ces vélos ressemblent réellement à l'Italie. Le Leoncino 800 Trail est disponible en gris et verré, comme son nom l'indique, il y a à nouveau un petit lion sur le garde-boue avant. D'une certaine manière, cela nous rappelle un peu Peugeot, mais Leoncino est bien sûr italien, donc ce personnage un peu bizarre est correct. La machine nous semble plus petite qu'elle ne l'est en réalité. Avec une longueur de 2,20 m et une hauteur de celle de 850 mm, il est presque de niveau vélo d'aventure. Pour cette raison et le guidon haut, vous vous asseyez non seulement debout, mais aussi confortablement sur le vélo. Le poids de 234 kg est perceptible, du moins lors des manœuvres, en tout cas, il n'est pas léger. En conduisant, cette impression disparaît à nouveau, mais nous y reviendrons plus tard. En tout cas, nous aimons beaucoup le look. La fourchette anodisée en or gras correspond parfaitement au verre de chasse de notre machine d'essai. Le cadre spatial tubulaire peint en noir mat rappelle inévitablement un Ducati Monster. De plus, la Pirelli Scorpion Trail STR, la garde au sol étendue et l'échappement surélevé, Steve McQueen aurait été heureux. Dans la vidéo promotionnelle du Leoncino 800 Trail, Benelli permet également à un pilote d'enduro de parcourir le terrain. Nous avons essayé cela à petite échelle et cela fonctionne, mais en raison du poids, cette machine appartient davantage à la route. Le grand écran TFT nous a d'abord fait soupçonner que la moto est bourrée de la dernière technologie. Mais gâteau feuilleté, à part l'ABS, il n'y a rien à bord ici. Pas de mode de conduite, pas de capteur d'angle d'inclinaison ou autre. Est-ce que cela nous dérange? En aucun cas. Le cockpit est facile à lire et les écrans importants tels que l'équipement et la vitesse attirent immédiatement le regard. Pourquoi Benelli installe 4 boutons pour le contrôle du menu, bien que presque rien ne puisse être ajusté, reste un mystère pour nous. L'éclairage est entièrement en LED, y compris les clignotants et un feu de jour qui peut être commuté via un bouton séparé. Tout semble très élégant et l'opération est accessible au conducteur sans regarder le manuel. Le contour suggère un limiteur à 11 000 TR/min, mais de facto il cale à environ 9 500 TR/min. En passant, il y a aussi des feux de détresse et un petit ordinateur de bord à bord. Heureusement, une connexion avec le smartphone n'est pas possible, sinon nous aurions dû l'essayer. Avant de commencer, nous faisons une courte vérification du son comme toujours. Le jumeau en ligne a un décalage de vilebrequin qui est maintenant presque commun et sonne donc un peu comme V2. Le son est agréable et grincheux et pas si calme. Nous mesurons 96 dBA, mais dans les journaux, il est écrit avec un bruit stationnaire de 93 dBA. Déjà au cours des premiers mètres, le Leoncino perd au moins 50 kg. Il est léger et lâché, malgré la roue avant de 19 pouces, étonnamment maniable. Le châssis de Marzocchi ne peut pas être ajusté sauf pour la précharge du ressort à l'arrière, mais ce n'est pas nécessaire non plus. La machine est bien équilibrée et légèrement plus ferme sans être gênante. Vous pouvez clairement sentir que vous n'iriez pas sur le bloc tout de suite, même lorsque vous conduisez hors route. Les pneus s'harmonisent très bien avec la moto, même sur la route. Le moteur a 76 chevaux et 67 Nm à 6500 et c'est exactement ce que l'on ressent. Il se déplace toujours bien à l'avant sans submerger son conducteur. Vous n'avez jamais l'impression d'être jeté hors du vélo, mais cela ne devient jamais ennuyeux non plus. Avec un scramblé, vous ne voulez pas entrer dans la courbe à 180 km/h de toute façon, donc tout va bien. Le moteur tourne de manière prévisible vers le haut et est tout à fait disposé à monter en régime jusqu'au limiteur. Nous n'aimions pas tellement les freins. Le levier de frein est réglable en portée, mais nous n'avons toujours pas réussi à obtenir suffisamment de levier sur le levier de frein. En conséquence, malgré le frein avant bien équipé, vous avez besoin d'une quantité inutile de puissance manuelle si vous voulez arrêter la machine plus rapidement. Benelli pourrait retravailler un peu plus ici, car le double disque 320 et les étriers de frein à 4 pistons installés radialement devraient en fait pouvoir générer plus de puissance de freinage. Peut-être installer une pompe radiale et une tresse en acier? Bon, parce que la boîte de vitesse est discrète. Les 6 vitesses sont bien réglées,
Il n'y a pas de rapport de démultiplication trop long ou trop court et la force manuelle de l'embrayage est agréablement faible. Cela signifierait que vous n'auriez aucune douleur à la main, même dans la circulation urbaine dans des situations d'arrêt et de départ. Résultat, le Benelli Leoncino 800 Trail est un vélo vraiment amusant. Non seulement il a l'air chic, mais la conduite est aussi très amusante. Il n'y a pratiquement aucun point de critique à l'exception des freins, la machine a l'air de haute qualité et bien faite. La performance ne submerge personne, mais vous pouvez aussi appuyer sur l'accélérateur et vous amuser si nécessaire. Le prix de cette machine est excellent. Vous obtenez beaucoup de motos pour peu d'argent. L'équipement technique plutôt clair du Benelli s'accorde bien avec un scramblé. Si vous aimez ce type de vélo, vous devriez visiter un concessionnaire Benelli dès que possible et l'essayer pour un essai. Eins. Los geht's. 100. Wow. Ja. 3, 2, 1. Ab geht das Füchslein. Und schon fahre ich 100. Mann. Ist doch cool.